que vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Magali. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Avec my new subscribers. Thank you for subscribing. Aujourd'hui, je vais faire un petit haul Zara. Les soldes que j'ai pu avoir depuis... Ça a commencé quand? Le 26 décembre. C'était le 26? Oui, c'était le 26 décembre. Donc, je me suis procuré les pièces que je voulais depuis... c'était quoi? Été, hein, de l'année passée. Donc c'est plutôt des articles coloris. Si vous ne le savez pas, de toute façon, pour la tendance printemps-été 2022, l'une des tendances sera tout ce qui est coloris, donc tout ce qui est rose, bleu, rouge, violet, vert. Donc je me suis inspirée de la tendance printemps-été, j'ai pris que des pièces de couleur. Je n'ai pas pris de pull, pas pris de manteau, pas pris de bottes, parce qu'en fait j'avais acheté tout ce qu'il me fallait depuis novembre, tout ce qui était bottes, tout ce qui était... J'avais même pas acheté de pull, que des cols roulés. En fait j'ai remarqué que je ne portais plus de pull, donc ça me sert presque à rien d'acheter des pulls. Je suis plutôt maintenant tout ce qui est col roulé un peu fin, donc bref, hors sujet. Donc je vais vous montrer les articles que j'ai pris. J'espère vraiment que vous pouvez les retrouver. Moi je les ai pris au début des soldes, donc c'était la première démarcation. J'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos. Et pour les tailles, en fait, j'ai pris des pièces qui sont un peu plus larges parce que je voulais juste pas attendre. Parce qu'en fait, la majorité des choses que je voulais étaient en rupture de stock et je voulais juste pas rater l'opportunité d'avoir les pièces que je voulais, en fait. Donc je vais vous montrer. J'ai pris un parfum. Je voulais 3 parfums de la marque Zara, bien sûr. Mais c'était en rupture de stock le premier jour. C'est en rupture de stock. Et le seul parfum que j'ai pu avoir, c'est celui-ci. Donc c'est le Zara Tuber Rose, 200 ml pour 5 livres. Je me suis dit c'est un bon plan et j'adore ce parfum. Donc il tient environ 3 à 4 heures sur la peau. Du côté projection, pas trop. C'est un parfum que vous pouvez porter chaque jour. C'est mon parfum de tous les jours, en fait. Et voilà, j'aime beaucoup, en fait. C'est ouf. Les parfums Zara, en fait, quand vous l'appliquez, je veux dire, la première minute, ça sent vraiment l'alcool. Mais après, le parfum change, il tourne, en fait, il s'adapte au pH de votre peau. Ouais, ça sent super bon. Et celui-ci, c'est le dupe du parfum de la marque Byredo, le bal d'Afrique. J'aime beaucoup le bal d'Afrique. Mais j'ai remarqué qu'il tenait pas, il tient pas vraiment beaucoup. Donc c'est le parfum que j'utilise, c'est mon parfum pour le moment. Mais c'est surtout un parfum, je dirais, printemps-été. Ou bien c'est un parfum que vous pouvez utiliser pendant toute l'année. C'est un parfum que vous pouvez utiliser le soir, après votre douche. Ils sont super bons, ils sont vraiment vraiment bons, hein. Donc je vous le recommande pour 200 ml, 5 livres, que demander d'autre? Et j'adore le flacon rose poudré, j'aime trop, en fait. Et vous allez voir, en fait, les pièces que je vais vous montrer, il y a du rose, il y a beaucoup de rose. Alors après j'ai pris un body, oh, je l'aime trop ce body, c'est un body cut out et vous avez une manche, voilà. Ce body, donc c'est un rose, sur la caméra on dirait que c'est un rose fuchsia, mais en vrai c'est un rose un peu bordeaux. Il est super joli porté, très 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 joli en tout cas. Et voilà, c'est un body, je l'ai eu pour 5,99. voilà ma première pièce. Après, donc ça c'était, en fait je voulais 3 pièces, je pense que je voulais 3 pièces que j'avais mis la veille, que j'avais mis dans mon panier la veille des soldes, en fait, parce que je savais que c'était vraiment les pièces que je voulais vraiment pas les rater.
Et donc je les ai eus et c'était à moins 50%. Oui, à moins 50%. Donc la première, le premier ensemble que j'avais pris, c'était celui-ci. Donc c'est un ensemble en lin, veste et blazer. Il est super beau. J'aime beaucoup porter le lin en été. Et j'aime bien parce que les lins, en fait, c'est léger. Et le mouvement du lin, j'aime beaucoup. En fait, cette pièce-là, cet ensemble-là, vous le retrouvez. Attends, il y avait trois coloris. Il y avait un coloris mint, quoi, un vert pastel. Il y avait une autre couleur. Donc moi, j'ai opté pour le rose que je voulais depuis longtemps. Je l'ai pris en taille L. C'est un peu grande, mais je peux retoucher en fait mes pièces. Et le pantalon, je pense que je l'ai pris aussi en L parce que c'était la seule taille en fait qui restait. Donc j'ai juste pris, je voulais pas de chichi, je vais les retoucher de toute manière. Donc, en tout cas, si vous les retrouvez maintenant, peut-être que ce sera peut-être, je sais pas, 15 livres, 9 livres. Faut juste essayer de regarder sur le site chaque jour en fait. Voilà. Donc j'ai pris ça, j'aime beaucoup, beaucoup et beaucoup. Vous avez aussi en fait, si vous replissez les manches, vous avez cet effet-là. Voilà, c'est un très 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 joli ensemble. Alors, je ne vous dirai pas vraiment les prix parce que maintenant les prix en fait ont baissé. Alors après, la robe que je voulais depuis l'été année passée. Donc, je suis partie en magasin, j'ai essayé la taille M et ça m'allait pas. En fait, les tailles Zara, c'est du n'importe quoi. Je fais du S, quelquefois je fais du M, quelquefois du L. C'est... Je sais même pas quoi dire. Voilà la robe que je voulais depuis l'année passée, cette robe-là. Il y avait deux ou trois coloris, peut-être quatre. Hein. Il y avait en blanc vert, blanc noir, cette couleur-ci. Donc, c'est une robe midi. Qui m'arrive juste en bas des mollets. Ça fait vraiment grande dame, ça fait vraiment super joli. J'adore toutes les couleurs. J'adore tout en fait. Et vous avez une ceinture, vous pouvez cintrer. Après, vous pouvez mettre une autre ceinture, bien sûr. C'est juste une robe chemise midi. Elle est juste très très belle. Et les manches en fait, c'est quarters, 4 quarts. Ça m'arrive juste, non, jusqu'ici. Jusqu'ici ou là, quelque chose comme ça. Je l'aime beaucoup, il n'y a pas de poche. Celle-ci, je ne sais pas si vous pouvez la retrouver en fait, mais j'espère. Alors, je l'ai pris à... J'ai dit que je n'allais pas dire les prix. Je pense que je l'ai pris à 19 livres. C'était 29 ou 19 ou 25, quelque chose comme ça. Moins 50% ou moins 35%. Ça, en tout cas, c'est deux pièces-là en fait, l'ensemble et la robe. J'ai sauté dessus. J'ai vraiment pas voulu que ça soit en rupture de stock. Et voilà, elle me va super bien. Après, j'ai pris... En fait, je voulais une autre robe que j'avais vue. Je pense que c'est la collection automne. Mais cette robe-là, dès que j'ai voulu l'acheter, ben, tout le monde l'a portée. Tout le monde l'a portée. C'est la robe. Elle est blanche. Elle est en satin soie, faux satin soie. Elle est blanche, bleu, noir, comme ça. C'est une jolie robe cache-cœur, voilà, ouverte un peu. Elle était vraiment belle, mais tout le monde l'a portée en décembre, en fait. Tout le monde postait avec sur Instagram, tout ça. Bref. Donc, je l'ai laissée. C'est pas parce que, en fait, tout le monde l'a portée, parce que Zara, tout le monde porte les vêtements de Zara. Mais c'est juste que, ouais, j'ai plus voulu l'acheter. Et j'ai opté pour celle-ci. À la base, en fait, c'était même pas celle que je voulais. Je voulais en fait, c'était une robe très longue, maxi, un genre kimono, mais elle était en rupture de stock et je la retrouvais plus. Donc j'ai opté pour cette robe-ci. Voilà. Donc vous avez des boutons là, une fente devant. C'est une robe en faux satin, faux soie, tout ça. Donc vous avez des manches assez larges comme ça. J'ai pris en taille S. Vous voyez? Donc je fais quelquefois du S. La plupart du temps, je fais du SM. Mais c'est juste bizarre. Et là, je fais du S. Je pourrais même porter le X, le XS. Bref. Donc voilà la robe. Celle-ci, je l'ai pris à 15 livres. À 15 livres. 15 livres, je pense. Voilà. Donc vous avez une ceinture. Je vais être honnête. J'ai pas trop aimé quand je l'ai eue.
quand je l'ai reçu, quand j'ai essayé, après le fait de l'avoir, d'avoir serré la ceinture par derrière, j'ai aimé. Après, c'est une robe assez classique, mais c'est très joli. J'adore les couleurs, encore une fois, rose, rouge, noir, blanc. Que demander de plus? Après, et je pense que c'est ma dernière, oui, c'est ma dernière pièce. Cette robe-ci, c'est mon coup de cœur. Je voulais même pas l'acheter. Cette robe-ci vert. Vert, c'est une couleur tendance qui a été, ça fait 2 ans à la mode, 1 année ou 2 ans. Ce vert-là, en fait, j'avais pas trop kiffé parce que c'était vert. Mais quand la robe est arrivée et je l'ai portée, waouh, cette robe-là, on doit la faire en toutes les couleurs. Noir, marron, rose, rouge, toutes les couleurs. Elle est magnifique. Vous avez un détail ici au col, un col ouvert. Vous avez aussi le cut-out ici. Alors ici, vous avez un effet plissé et vous avez une fente. Donc, il y a tout sur cette robe-là. Il y a tout. Elle vous donne tout. Elle est, en fait, elle est sexy, élégante, elle est cute. Elle est super canon, cette robe. Je l'ai achetée pour 12 livres. 12? 12 ou 19? Je ne sais plus. 12 ou 19. Je ne suis pas déçue. Manche longue. En tout cas, c'est mon coup de cœur. Je suis vraiment conquise. Si vous la voyez, prenez-la. Je vous la conseille, mais à 110%. Voilà, donc ça c'était toutes mes pièces. Comme vous avez vu, je n'ai pas pris de pièces marron, noir, nude. Non, I find that boring. Ça m'ennuie en fait maintenant. Quand je regarde les All Zara où il y a des couleurs que de, je sais pas, beige, marron, noir, non. Et puis, pour le moment, j'achète plus des pièces noires. J'en ai tellement beaucoup, j'en ai tellement. Donc, j'ai vraiment profité. C'est maintenant, normalement, que vous devez profiter pour les pièces d'été. C'est moins cher. On, voilà, tout est à moins, je pense, 75% maintenant. J'ai fait une autre commande Zara qui arrive. J'ai fait une autre commande et puis j'avais pris encore 2-3 pièces en boutique. Donc, j'ai un autre haul Zara qui arrive. J'espère que vous avez aimé mon haul. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de partager mes vidéos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!